Sur les 7 affaires inscrites à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 25 octobre figure le projet de loi portant approbation des statuts de la Caisse d'assurance maladie universelle, CAMU. Projet de loi approuvé après son examen sous les auspices du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Ce projet de décret, qui comprend 6 titres, fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de cet établissement. Il est pris en application des dispositions de l'article 18 de la loi numéro 19-2023 du 27 mai 2023 portant création de la Caisse d'assurance maladie universelle. Le Conseil des ministres s'est réjoui de l'opérationnalisation imminente de la CAMU avec la mise en place de ses organes de gouvernance qui permettra la prise en charge attendue par nos compatriotes de leurs frais de santé et leur accès facilité à des soins de qualité. Autre affaire débattue à ce Conseil des ministres concerne le projet de loi portant modalité du régime de partage de production des grumes qui vise entre autres à accroître la contribution du secteur forestier au produit intérieur brut, à garantir un prélèvement plus diversifié des essences forestières dans un cadre demeurant durable, à permettre une valorisation industrielle plus complète et aussi à garantir un approvisionnement du marché local en bois légal.